C'est pas grave. C'est pas... Vous savez ce que je viens de faire? J'ai coupé l'enregistrement de la VOD. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. La VOD sera juste en deux parties. Pourquoi ça fait un petit carré maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma souris elle descend pas plus loin que là? Mec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? What is happening? Attends, parce que là, il y a clairement un problème avec le jeu, là. Attends, c'est la grosse merde. Attends, mais il est tout pété leur mode ou quoi, là? Attends. Nani Kore. Attendez. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé ça, tiens. C'était bizarre, hein. C'était quand même bizarre. Que tout se passe bien comme ça, je trouvais ça étrange aussi. Il veut pas s'enlever, il veut pas, le jeu veut pas se quitter en fait. Ah, ça va poser un petit problème. Ça va poser eine kleine Probleme. Est-ce que tu veux te barrer, con de jeu? Il doit y avoir un système. Il y en a plein des systèmes. Attends, je vais foutre une petite chanson pour éviter que ça fasse que dalle. Le jeu veut pas en fait que je choisisse un son. Attends, faut que j'en choisisse un super vite. Je sais pas ce que ça va être. C'est quoi? Ah. Bon bah écoute. Pourquoi il veut pas? Allô? Allô Jésus? Ah. Critical Error? Est-ce que... Yes, c'est bon. Ah. Allez, on relance. C'est le thème des problèmes techniques. Ok, là ça marche. Et maintenant, si je fais la capture... Si ça marche plus dès maintenant... Ok, c'est bon. Je ne touche plus à rien. Je touche plus à rien du tout. Du coup, on peut reprendre notre carrière qu'on a faite tout de suite, là. Maintenant que j'ai installé le patch, du coup. Mais je sais pas si... Ouais, ok. D'accord, on peut reprendre notre carrière, mais c'est bizarre. En fait, on a certaines missions et certaines non. Alors, je sais pas trop... ce que ça veut dire. Soit 4 plus expansion. C'est quoi, old missions? Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. On va essayer Fairfax. Et du coup, donc, je sais pas si ça change quelque chose dans les briefings. Ça, on s'en fout. Ça, c'est pareil. Et voilà, dans l'équipement, ça, là, voilà. J'ai testé un petit peu le jeu avant. C'est pour ça que j'ai pris le 870 MCS parce que c'est un de mes fusils de chasse préférés. Ok. Donc on a différentes armes, mais vous voyez le menu est un peu plus différent. Donc on a toujours les moins que létaux, ouais, c'est ça qu'on dit. Mais cette fois-ci on peut même choisir des armes de points, mais en arme principale, donc c'est un peu cool. En pistolet il y a celui-là de nouveau, le Browning High Powered, et je crois qu'il y a aussi, voilà, en silencieux, qu'on va tester juste après, vous inquiétez pas. Le M1 Super 90 Défense, je crois que c'est le même que le Benelli qu'il y avait dans le jeu de base, sauf qu'il est je sais même pas en quoi il est différent. MP5 A4, MP5 SD6 et le Suppressed MP5, donc ça, les deux là on les avait, le MP5 SD6 il est nouveau. Et en fusil d'assaut, on a, je crois, voilà, on a les mêmes qu'avant, sauf qu'il y en a qui sont Suppressed. Donc je trouve ça assez cool, et tu sais quoi, on va faire le Suppressed. On va faire Suppressed, et en secondaire on va prendre le, voilà, ça aussi. On va y aller en mode full commando, mon poteau. Pour tout le monde, hein, pour tout le monde on va faire ça, voilà. Voilà, ça va être... Tu sais quoi, tu vas prendre le MP5 SD6, toi, ça va être encore plus technical. Encore plus tactical, comme on dit. Bim, ouais, pourquoi pas. De toute façon, du moment que c'est suppressed, on est bon. Et toi, tu vas prendre un truc un peu plus rigolo. Avec... Ouh. Oh la vache, il y en a plein, en fait. Sabot slug, je sais pas ce que ça veut dire. Fort buck, qu'est-ce que ça veut dire. Ouais... D'accord, ok, ouais, je sais pas ce que c'est. Oh la vache, il y a plein de types de munitions différents. Je sais pas, putain, triple O, allez, triple O, je sais pas ce que ça veut dire. Et je crois que voilà, il y a quand même des calibres différents pour chaque truc. Et le mode est plutôt bien fait, hein, mais AP, c'est quoi? C'est Armor Piercing, ouais. D'accord, ouais, tu prends ça, allez, prends du Armor Piercing, c'est bon ça. En tactical, je sais plus ce qui change. Est-ce qu'on a des trucs en RAB là? Door Wedge et Wedge 3 Pack. Ok. Ah oui, parce qu'il y a un truc aussi qui change, c'est, voilà, on a un poids en bas et on a un encombrement, donc il faut aussi prendre ça en considération.
On peut choisir aussi, en fait ça c'est les options du multi, soit le tactical helmet, soit le respirator, et je pense que du coup dans le mode, si tu balances des gaz par exemple et que t'as pas de respirator, tu vas te faire, t'auras les effets du gaz. Et en arme, en armure, voilà, on a soit carrément pas d'armure, armure lourde ou armure légère. On va prendre armure lourde hein, parce qu'on n'est pas des, on n'est pas des mecs qui risquent leur vie. C'est ça que je veux dire. Armure lourde pour tout le monde les mecs, hein, c'est bon. Ça m'a énervé le truc des missions là, donc voilà. Waouh, super le RPG. Je trouve. Et voilà, je pense qu'on est bon. Hein ? Allez, mission starto. J'espère que la capture va bien se faire. Je vous dis, j'ai pas testé avant le jeu. Normalement, je le fais jamais. Mais là, c'était un peu stressé. Ok, ça a l'air bon. Parce qu'en fait, j'ai installé le mod à une demi-heure du stream, je crois. Chose que je fais d'habitude jamais. Donc voilà, vous comprendrez un peu mon énervement. J'ai beaucoup de chargeurs en bas. Vraiment énormément beaucoup de chargeurs. Mon gars, la vieille, elle va se... Est-ce que j'ai des trucs pour arrêter la vieille au moins? Parce que je sais même pas si... Ouais, j'ai... Ouais, ok, j'ai un pepper spray. On va rentrer, on va pepper spray la vieille. J'aurais dû prendre un taser pour la tuer. Ok, vas-y, pétez-moi ça, là. Donc voilà, pareil, ici, on a plusieurs options qui changent. Donc là, on peut... Carrément, il y a une option pour investiguer. Donc on peut essayer la serrure sans que ça se fasse automatiquement. Regardez s'il y a des pièges, etc., etc. Donc je sais pas si, du coup, ils vont faire en sorte de foutre des pièges ici, vu qu'il y avait rien d'autre, en fait, dans cette mission. What's that? Here we go. What's that? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Alors? Got it. It's wired. Probably trapped. Oh putain, il y a un trap. Oh, mec. Oh, qu'est-ce qu'on a eu du bol. Mais du coup, comment on peut faire s'il y a un trap? Such and secure, c'est quoi? Clear it. Go, go. Ah, c'est peut-être... Attends, peut-être le mauvais truc. Annule. Fall in on me. With you. Ok, parce qu'ils ont failli se prendre un explosif dans la gueule, je pense. Je pense que toute la maison est piégée, en fait, parce que dans cette maison, de base, il y a qu'un seul ennemi, en fait. Il y a que Fairfax, du coup, le fils Fairfax. Mais là... Vu que maintenant ils ont remis les pièges, je pense qu'à la base cette mission devait être piégée de partout en fait. Check on it. It's clean, sir. Ok, c'est clean, allez go. Open and make entry. C'est quoi search and secure, je comprends pas. Go and ready. Non. Bon bah écoute, tant pis. Bah go hein. Doors locked. Confirm the breach. Ah oui. Breach, tiens, breach au shotgun, j'aime bien moi. Open it up and go. Je trouve ça super joli. Y a un petit côté. Voilà. Move it. Go. J'ai l'impression qu'il a pas utilisé un shotgun de breaching, mais juste son fusil de chasse en fait. Vos gueules tous. Est-ce que tu penses qu'on peut péter? Tant pis. Il y avait beaucoup trop de bruit d'un coup, ça m'a stressé. Allez, on va checker quand même s'il y a un piège ou pas. Copy, on it. Looks clean. Ok, c'est clear, let's go. Breach, pareil au shotgun, j'aime bien. C'est vraiment poétique. Regarde ça, oh là là, c'est beau. Like clockwork. Allez, je monte, je vais buter la vieille. Attends, je vais la gazer, elle est où? Là. Mommy! T'es où, mommy? Mon PC qui fait des bruits. T'es où? Bah, elle est où, mommy? Mommy? Mamie? Oh la vache! Oh putain! Ah ouais, quand même! Oh, c'est vénère comme truc! C'est super stylé en tout cas, mais faut que je trouve Mamie. Est-ce que t'as vu la dose de C4 qui sont mises sur la porte, c'est qu'on a... Mamie? Ah, j'ai crié sans faire exprès. Mamie? 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 Vous en voulez un dans le pif, oiseau venimeux? How dare you come in here? Salope de vieille! Oh, my eyes! My skin! My bones, they hurt! J'arrive pas à dégoupiller! J'arrive pas à dégoupiller ma flèche! My skin! J'arrive pas à changer de... Je peux pas leur demander de taser la vieille, non? Ah non, j'ai plus rien. Ah bah si! Ah voilà, il me restait ça quand même. On the ground, down.
Voilà, m'oblige pas à t'en mettre une, mamie. Oh, my heart can't take this. My balls, they hurt. Voilà. J'ai peur. My eyes. Attends, est-ce que je peux... Attends, j'aimerais bien faire un truc. Non, on fera plus tard. On fera plus tard. Je voulais lui faire péter une C4 dans la tête, mais on fera plus tard. Est-ce que d'ailleurs je peux tirer là-bas? Police, get down now. Est-ce que je crois... Attends. Si je me gourre pas... Kikang Feg... Zoom. Voilà. Maintenant, il y a de l'Iron Sight qu'il n'y avait pas avant. Et ça, j'aime bien. Bah alors? Eh bé, d'accord, bah tant pis, hein. Piège d'otage pour faire un proc aux méchants. Mais il sait même pas des méchants, c'est un méchant, c'est juste son petit-fils. Ou son fils, je crois. Non, son petit-fils, je crois. I'll take point. Right on. Bah qu'est-ce qu'il fait? Il est là, ce con. Behind you. Mais qu'est-ce que tu fais, fétide? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais déteste... I don't... This is disgusting. Bah non, mais y'a même plus d'intérêt. Le mec qui se rend instantanément. Y'a plus aucun problème. Bah... Attiré par le bruit des pompes, le bruit des bottes. Ouais, mais c'est trop facile. Ouais, rends-toi, toi. Ça me plaît pas trop, je vais te faire fermer ta gueule, toi. Objective complete. Et là, cette fois-ci, par contre, le jeu te dit quand t'as réussi un des sous-objectifs, tu vois. Et ça, c'est relativement cool. J'ai pas d'arme 7 sur lui? Ah si. C'est bon. C'est fini. J'adore ce truc, j'adore ce boulot. Allez, next missions. Comment ça, Fairfax? Non, c'est bon, ok. Je sais pas trop comment ça marche, en fait, si genre... Je sais pas pourquoi celle-là, elle est avant Food Wall, alors que c'est censé être après. Je comprends pas trop ce qui... l'intérêt de ça. Mais normalement, je sais qu'il y a d'autres armes, en fait, à débloquer, et je sais pas trop comment le faire. Normalement, il y a un magnum. Bah, par exemple, tu vois, à la fin de la mission du hangar, dans le jeu de base, dans Stagecoast Syndicate, normalement, tu débloques un magnum. Enfin, un magnum, non, c'est un gros colt, je crois. C'est, oh, remarque, je crois que c'est du 44. Mais tu vois, c'est un petit peu vénère. Et le problème, c'est que je sais pas bah, comment le faire sur le mode. Si même c'est possible sur le mode. Tac, tu sais quoi, on va se faire cette petite mission-là. Tranquillou. Fallait fumer la vieille. T'inquiète pas, on va fumer tout le monde là-dedans. Là. La fameuse technique du « ils nous font le droit sur nous ». This is Central BCC, what the fuck is going on? Shit! C'est quoi en fait, j'aurais dû foutre en facile du coup. Ok, go. Allez, j'y vais tout seul, hein. Doc, this is Sierra 2, element spotted. Impeccable. On va faire la... Le Death Squad. Non, attends, je vais le faire maintenant. On va se refoutre en facile. Failure toi-même, sale enculé. Select mission. Et on va clean tout le coin, mon gars. Voilà. Voilà. Quick fuel. Let's go. Le Punisher. Ah, oh, j'aurais dû prendre le pompe. On fera après, vous inquiétez pas. On est encore là pendant un moment. On fera du pompe après. On jouera du pompe après. One batch, two batch, penny and dimes. Shit, what the fuck's going on? I'm here to kick ass and chew bubblegum, and I'm all out of ass. Go go, ok, personne. Non, faut pas que j'aille le tab. je voulais faire un gouffre, mais vu comment le mode il est vénère. This is Zero 2, what the fuck? Ils sont morts? Ils sont morts, c'est pas... On fera un tour après pour être sûr qu'ils sont morts de toute façon. Par contre, les deux jambes foutues en armure lourde, ça te pue du cul. Les deux jambes foutues en armure lourde? Qu'est-ce à dire? Entry team to talk. There's a down suspect here. Keep it up. Go go go.
Je suis chaud. Ok. On est bon, on est bon, on est bon. Non, c'est, la mission n'est pas faite, elle est pas faite, la mission. Ah ouais, ah ouais. En tapinant, en tapinois. J'ai remarqué They Live l'autre jour, il est tellement génial que ça me choque à chaque visionnage. Il est vraiment bien, They Live, ouais. Il est vraiment super. C'est un de ses meilleurs, je trouve. Il y avait un mec derrière. Il y avait un mec derrière. J'adore ce boulot. Les câbles, ça c'est fait. Est-ce qu'il vous préparez un sale coup? Ok, t'as de la chance. C'est du blindé. Oh god! Oh god! Qui c'est qui me tire dessus là? Il y en a un autre qui me tirait dessus, non? J'ai l'impression que je me suis pris plein de balles de quelqu'un d'autre. Mec, tout le monde part en même temps, c'est tellement le stress quoi. Personne d'autre? Y'a personne d'autre qui veut sa petite baloute là? Juste une palousse. Une baloute. J'adore ce boulot. Ah ouais. Merde, j'ai plus de C4, c'est pour ça. Coucou les Guyasu, les Guyasu. Coucou les Guyasu, c'est quoi un Guyasu? C'est une insulte ouzbek. Hop, bouge pas, je vais juste recharger tout ce que j'ai. Un Guya, c'est quoi un Guya? C'est un nom binaire. Y'a personne. Bon, j'ai tout fini. Salut les gars. Ah, c'était ouvert ici. Ok. Ah oui, non, mais c'est parce que c'est mission failed. Ah oui, là. Attends, j'ai toujours pas apporté l'ordre au chaos, hein. Mine de rien. Donc ça veut dire que j'ai pas fini. Pas fini ma quête. Ma quête de justice. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Ok, ah oui, non, mais j'ai oublié là-bas aussi. Ils ont tué les otages. Si, ils ont vraiment... Aucun honneur. Aucun honneur. Aucune dignité. Rien. Mais je crois qu'en fait, le seul élément à niquer pour ramener l'ordre, c'est moi. Je crois que le chaos, je suis le seul à le causer, là, en fait. Donc il faudrait que je me suicide, quelque part, pour éliminer tous les criminels. Ouais, je crois que c'est bon, hein. J'adore ce Browning. Je suis vraiment fan de ce... Et voilà, impeccable. C'est tranquille ou pas? Sec. Non, t'as dit sexe, c'était ça, hein. Est-ce que tu crois que je peux les buter, genre... Est-ce que tu crois qu'un headshot, ça suffit? Poum poum. Allez, on en refait une avec le fusil de chasse cette fois-ci, et puis ensuite je quitterai. Non, pas restart. Oh, le con. Ah, là, c'est la galère. C'est con, tu vois, j'aurais eu plus de balles, j'aurais pas eu de problème. Poum, poum, t'es mort. Faudrait que je me cherche un coca, j'ai extrêmement soif aussi. Quelqu'un pourrait aller me chercher un coca, s'il vous plaît? J'ai soif. Putain, pourquoi on n'a pas un esclave à LMF, tu vois? Un mec qui nous montrait nos vidéos, il nous apporterait du coca. Avec sa propre thune. Ok, go. Alors, select mission. Est-ce que t'as vu que quand j'abandonne une mission, j'ai plus de score que quand je la finis en entier? Tu sens que quand même c'est relativement injuste quoi la vie. Shotgun et on va essayer le MU-70 que je suis tellement fan. Ok. For less overall damage. Et le 0 bug j'imagine que... Non, non, c'est un compromis entre le 3-0 et le double 0, c'est ça? Ok. Je comprends pas trop comment ça marche. 12 gauge French, et bon, c'est quoi? Ah, ça c'est pour. Ok, c'est pour ouvrir les portes, ça. Je crois. Ok. Ça c'est quoi? Vous connaissez-vous ces trucs-là? Parce que je connais que dalle en calibre de flingue, moi. On va prendre le triple 0, tiens, pourquoi pas. Et en gun, on va prendre. Bah écoute. Go, hein, quelque part. J'ai envie de dire, il y a aucun problème. Et bah allez, c'est parti.
Ça s'appelle comment le jeu de manifestation où tu choisis entre être la police et les motivations Riot. Riot Civil Unrest. Bah voilà, Top Pseudo vient de le dire, Riot Civil Unrest. Il est bien le jeu, mais je crois qu'il est fouillé de ouf en fait, donc il est pas si agréable que ça à jouer. Oh la vache. Double Akimbo, Shotgun, Shotgun Señorita. Incapacité. Ah, j'ai pas beaucoup de cartouches par contre, j'aurais peut-être dû prendre un... une ammo pouch. Entry team to talk. Injured suspect is here and ready for transport. Roger. Talk. This is entry team. Civilian is injured but alive. Notify the EMTs. Copy. EMTs standing by. Et en plus, il y a une petite bande son stylée là. Hands in the air. Get down. Ok, impeccable. Donc tu joues Terminator. Ah oui, là, clairement. Impeccable. Ok. Ok. Bon, pour l'instant, ça se présente pas trop mal. Quelque part. Il est où ton bouquet de fleurs? Ouais, j'ai pas amené de fleurs, hein, pas cette fois. Qu'est-ce qu'on a? Ouh! It hurts my face! T'avais pas de gun? Bah, il avait pas de gun? Bah, merde. Je crois qu'il allait me tuer avec des pichenettes. Bah, il a pas de gun? Il est où ton gun? Ah, bon, bah. La belle bleue, je pense qu'il est calmé, hein. Hop. J'espère qu'il y aura un piège à un moment, j'aimerais bien vous voir ce que ça fait de se prendre un piège dans la gueule. Mais je suis content qu'il l'ait rajouté, je suis vraiment content qu'il l'ait rajouté, je trouve ça... Je trouve que ça rajoute vraiment du stress, en fait, tu sais vraiment pas sur quoi tu vas tomber sur le prochain piège, quoi. Sur la prochaine porte. Bah tu meurs, oui, mais je sais pas si ça va faire une grosse explosion, si c'est une explosion modée, ou si c'est juste, tu vois... Parce qu'il y a quasiment pas d'explosion dans le jeu en fait, alors ça se trouve ils ont mis un nouveau, une nouvelle animation. J'adore cette petite soundtrack là. Doom, 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 doom. On the ground, now. That's our gun. Ah. God, ah, Samway. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur là. Hmm. Talk, this is Sierra 1. Element has moved out of visual contact. Je tire à travers la porte pour être sûr qu'il y ait personne. Et maintenant je rentre. Hmm. C'est fermé. Hmm. Shit. C'est bon. J'adore ce truc. Je suis tellement fan. He's in pretty bad shape. Bon bah c'est bon, oula. Et bah voilà, on est bon. Oh j'adore. Mec c'est tellement, tellement violent. Mais c'est tellement violent. Victory Import. Ah il était chiante celle-là je crois. Qu'est-ce qu'on peut se refaire vite fait? Bah écoute, c'est quoi? On va se refaire Sisters of Mercy. On va tester d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on a? Tu sais quoi? On a ces guns là. J'aimerais bien voir s'il est bien modélisé et tout celui-là. Là. Ça m'intéresse. Et puis tu sais quoi? On va prendre un fusil de chasse en même temps. Comme ça, on sera tranquille. On sait jamais. Avec du slug dedans, tiens. Parce que quelque part, pourquoi s'emmerder? T'as vu, en plus, ils ont rajouté vraiment le nom des modèles. C'est-à-dire que avant c'était juste marqué, oui, Stinger, vite fait, tu vois. Mais là, ils rajoutent vraiment le vrai nom des modèles qui sont utilisés ou qui étaient utilisés dans la police. Et je trouve ça relativement stylé. Allez, Optimum. On s'en fout, de toute façon. On s'en fout, on va tout péter, de toute façon. Ça fait longtemps du Katamari. Quoi? Pourquoi tu parles de Katamari? Nicolas. Vous voulez que je fasse du Katamari après? Bah, je voulais montrer du Hype Out, mais si vous voulez que je fasse du Katamari après Hype Out, si jamais c'est un peu trop tôt, bon, je veux bien, hein, mais... Katamari. Je suis en auto, c'est bien. Cops, get ready! Oh la vache, il est super! Oh, j'adore le bruit, le bruit du VCC. Attends, attends, ta gueule, ta gueule. Roger that entry team, proceed with caution. TG. Talk to entry team. Abort mission. Make him safe.
This one got away from us. Ooh, guess they called out the big... Karma plus. J'ai tué une vieille raciste, je crois ça a fait... Oh. Get down. Ok, go. C'est la scène dans Machete. Putain, par contre... Voilà. Ah, il y a Jésus, il s'est calmé d'un coup, là. Je recharge vite fait. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un laser en dessous, ce serait cool. Oh, l'autre, il se rend, l'autre. Oh, l'autre, il croit qu'il peut se rendre. Attends, revenez, j'ai pas fini. Attends, j'ai mis des slugs. Ah, j'ai plus de munitions. Attends, bouge pas. Putain, mais vous êtes beaucoup. Alors, évidemment, ça me coûte des munitions, moi. Madame ? Voilà. Ah, j'arrive, j'arrive. Vous inquiétez pas, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais lui faire du massage cardiaque. 1, 2, 3, stay alive. 1 Mississippi, 2 Mississippi. Ah ouais. Tu crois que c'est une porte en bois qui va te séparer de la mort. T'inquiète pas. Blip. Ils ont ralenti aussi l'animation pour poser le C2 pour que ce soit un peu plus réaliste. 1, 2, 3, va l'Algérie. Hop. Oh, toi aussi t'as pas fini. Bouge pas, je recharge, je m'occupe de toi. Oh, John Wick. Ils font chier avec ça. Le C2, oui, le C2, c'est un explosif C2. Parce que si tu mettais autant d'explosifs là, mais avec du C4, tu pèterais le bâtiment en fait. Câble. Ok, tranquille. Non, c'est pas possible. Oh, putain, ils ont tout fermé, ces cons-là. Ah, merde. C'est relou. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a du C2, c'est pas ça qui dérange. Hein. Impeccable. Oh, j'utilise un peu plus l'Iron Sight, mais j'ai l'impression qu'en fait... Ça rajoute pas vraiment beaucoup de précision de foutre la grande side, donc c'est vrai que j'utilise pas beaucoup. Oh putain, y'a Flash qui est passé, mon gars. Voilà. J'en ai pris plein la gueule. Il m'a ruiné mon cul. Ouais, je me suis fait pulvériser, mon gars. Le serrurier va avoir du boulot, mais pas autant que les... pas autant que les mecs qui se chargent de foutre les... de bainer les cadavres, hein, parce que là... Pourquoi ça existe pas, ça? Tu vois, une version de Viscera Clean Up Detail, mais où aussi, il faut éliminer toute trace de preuve et tous les... Il y avait un jeu comme ça, où en fait, en gros, tu étais... Tu joues un peu le rôle de Monsieur Wolf dans Pulp Fiction, tu vois ce que je veux dire? Où t'as un nettoyeur et il faut s'infiltrer, c'est vu de dessus, déjà c'est un peu arcade, et il faut s'infiltrer sur les scènes de crime, et etc. Et enlever toutes les preuves de méfaits sous les yeux en fait des flics. Donc c'est un petit jeu d'infiltration rigolo, c'est limite un puzzle game. Qu'est-ce qu'il fait? Il est con, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, compris. Pourquoi on n'a pas d'M249 nous? Et je pense que lui, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a certains suspects qui peuvent développer des traits psychologiques, et lui, je pense qu'il était ouf, en fait. Et du coup, il était juste en train de gribouiller. Et lui, c'était pareil, d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est la musique, là, mais c'est à moitié relou. Voilà. Et bah écoute, de toute façon, je pense que c'est bon. De toute façon, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Blip. Oh putain, la moutarde blindée. Ok. Bon, bah voilà, de toute façon c'est fini, tac. Est-ce que j'en fais une dernière? Qu'est-ce qui manque que je vous ai pas montré là? Je vous ai un peu tout montré, et c'est vraiment dommage en fait qu'il y ait pas de... Mais non, pas restart, c'est vraiment dommage qu'il y ait pas tout débloqué, parce qu'il y avait vraiment des trucs cool.
Et j'aurais bien montré ce putain de flingue là, le magnum, qui avait l'air sympa. Ça se trouve, je peux faire une mission, comment on dit, mais non, pas Kit Windows. Comme une mission custom. Et peut-être que je peux me rajouter les armes que je veux, non? Quick Mission Maker. Check your money make. Avoid injury to yourself. Bring order to chaos. On va faire ça. Ah bah voilà, il y a tout là. Qu'est-ce qu'on n'a pas chopé d'ailleurs? Tiens, je vais vous montrer une mission qu'on a pas faite. Regarde, Stagecoff Warehouse, voilà. On va au moins avoir... on va au moins voir la map. Et ensuite, entry point main, squad. Hop, je s'en fous. Lone Wolf, voilà. Quoi, Lone Wolf? Pourquoi ça... Oui, d'accord, je viens de virer tout le monde. Civil. Pourquoi je m'en fous? Ok, 42 max. Avec des machine guns et des handguns. Ce que tu veux, je m'en fous, Eni, ouais. Skill, low. et par contre, ils sont où mes guns à moi? Save. Voilà. Play quick mission, du coup. Load mission pack, voilà. Equipment. Est-ce que, du coup, j'ai mes équipements en rab? Oui. Donc, le PL-126 qui est nouveau, le Python. Oh, putain. Oh, la vache. File-moi du... du tête creuse. Oh, putain. Ok, qu'est-ce qu'on a en rab du coup? Le SG552, c'est bien, j'aime bien les Six Hour. Ouh, tiens, je connaissais pas, le 33A2. Éclair & Coq 33A2, très bien, ça c'est suppress, ça on les connaît. Markspan Rifle du coup, ok, donc ça c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Submachine Gun, on a le P90 en plus et l'UMP en plus aussi. Shotgun, je pense pas qu'on ait. On a le Nova Tactical qui est nouveau, mais sinon le reste c'est normal. Ouh! Oh, c'est très, très mignon le MP5. Sa pistole, on a. Less than little, on n'a pas grand chose. Ok. Et lance-grenade. On a un lance-grenade. Ça, c'est un vrai lance-grenade, par contre. Ça, il déconne sans vraiment de. Non, mais le Nova, on l'avait pas tout à l'heure. En fait, il était pas débloqué dans le jeu de base. Je veux dire, enfin, dans le mode à la base. Qu'est-ce qu'on prend, les gars, du coup? Qu'est-ce qui vous dirait de voir vous? Voir vous. Je sais pas trop, il y a le SIG-552 qui me plaît pas mal, moi, mais lance-grenade Python? Ça vous dit, lance-grenade Python, le Arwen? bah écoute, on peut faire ça, on peut faire lance-grenade Python, hein. Stinger, tu sais quoi, on va prendre des grenades Stinger. On va leur Stinger la rate, mais à un niveau nucléaire, on peut en prendre que 25 max. Et des loaders, par contre, on va en prendre balles aussi, voilà, 10 max. Tactical, qu'est-ce qu'on a de nouveau en tactical? Je pense qu'il n'y a rien de particulier. Non, il n'y a que dalle. Et en protection. Ouh! Oh! 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 Oh putain! Oh, mais c'est super stylé! Vas-y, je vais faire Hunk, moi! Ok, allez go! Allez go, on va libérer tout le monde! Alors, par contre, je pense qu'il va y en avoir genre dès le début. Où est-ce qu'on est là? Oh! Oh mon gars! Merde, j'ai Altab! Oula! J'espère que ça va marcher. Ouais, c'est bon. Bro! Goddamn killers!
Attends, je vais virer le son ici là. Oh la vache! Eh ben attends, il y en a 42 des mecs en face, hein. Aïe 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 aïe, j'ai pas assez de balles. C'est le problème du Magnum. Oh la vache. Mais c'est quoi Terminator? Attends, c'était qui? C'était qui elle? Mec, elle a pris 3 cartouches! Mec, c'était qui cette meuf? Oh la vache! Oh le droïde de cas quoi! Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu là, ce petit tour de SWAT 4. Du coup, je vais couper là. SWAT 4 du coup c'est fini hein, voilà tout c'est mort, voilà c'est fini, SWAT 4 c'est fini. C'est dommage qu'on ait pas vu du coup la dernière map de Sechkov Syndicate, mais bah écoute, il veut pas marcher hein, donc tant pis. Je vous ai montré un tout petit bout là, mais c'est là c'était la dernière map là. Je vous ai montré un tout petit bout, donc j'espère au moins que ça a pu vous montrer tout ce dont vous avez besoin. Je vous rappelle que SWAT 4 original, j'ai fait déjà un full playthrough dessus en stream, donc il est dispo sur la chaîne hein, sans aucun souci. Puis du coup là je vais couper quelques minutes, enfin je vais pas couper mais je reste là, mais je suis en stand-by pour foutre du Ape Out et essayer de quitter le jeu SWAT 4, parce que là il a encore bugué comme tout à l'heure, donc il va falloir que je me batte contre lui. Du coup à tout de suite les gars, je vous fais de gros bisous et partez nulle part s'il vous plaît. sans vouloir vous commander. Je vais vous foutre une petite chanson sympathique, regarde. Ah, je vais vous mettre une petite chanson où on peut chanter dessus. Ta gueule, pas celle-là. Là, celle-là.